Bon, la créature qui hurle. Alors c'est quoi notre team? Kate, ok. On a besoin d'un mage. Allez, laisse-nous passer. Est-ce qu'on va affronter de l'arme maintenant? Sisney m'a prévenu. Vous pouvez passer. Sisney. Si ce n'est pas notre ami depuis toujours. Je fais gaffe parce que j'ai l'impression qu'il y a, deux coffres d'armes là. À tout moment, il y en a un troisième qui traîne. Une arme, je veux bien, mais je m'attendais pas à des fileurs. Dites, ces fileurs, c'est quoi exactement? Les gardiens du destin. Ils apparaissent devant ceux qui menacent de le changer, pour les remettre dans le droit chemin. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on les a pas vus. Nous avons échappé à un destin ce jour-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sait jamais. Faiblesse glace. Y'a quoi ici? Y'a rien? Y'a rien. C'est pour ça qu'il y aurait quelque chose. En tout cas, y'a des animaux. Eh, je sais pas où je vais, mais j'y vais, hein. Explosion mug. Il explose pas? Ou alors j'ai pas compris. Je pensais que ça allait, il allait faire genre boum! Une autodestruction quoi. On va activer la tour, hein, on est sur le chemin. On va en profiter. Ubisoftery. D'ailleurs, cette année, c'est cette année qui sort le Assassin's Creed au Japon, non? L'équipe a obtenu 5 XP. Cool. On n'oublie pas de ramasser les médailles MOG. Ok. Bon. Là, des nouveaux trucs à... Il manque une sauge.
Oh la vache, pas grogne hein. Hein? J'ai identifié une espèce. Est-ce qu'on en profite? Ok, nice! Mission accomplie! Je vous remercie pour les données que vous avez récupérées. Niveau 34. Rojap! Après, ce qui me proposait, c'est ce qu'on fait Odyssée. Oh! Après, ce qu'on fait Odyssée, c'est ce qu'on fait Black Flag. Donc, en vrai, c'est eux les plus créatifs dans l'histoire. Limite, c'est pas trop ça qui m'inquiète le plus. C'est juste que depuis Origin, depuis que c'est devenu un genre de... Il faut qu'ils reviennent à un Unity en vrai, genre Assassin's Creed Unity était très bien. Il était buggé parce que c'était nouveau moteur et tout, mais Assassin's Creed Unity, là je vous le relance sur PC, vous allez vous dire, mais attends... Il est plus beau que Mirage. Et je vous dirais oui. J'ai grave adoré. Ben moi je l'ai pas fait parce qu'il me tentait pas plus que ça quoi. Genre le héros me tente pas, l'époque me tente pas et j'ai l'impression qu'on a un peu régressé quoi. Mais genre un jour il sera à 29 balles en offre de Noël et peut-être que je le ferai à ce moment-là tu vois. Mais le côté RPG c'est... En fait le truc que Mirage, quand j'ai vu la démo c'est que... J'avais l'impression de voir... comment s'appelle ce jeu là? La Terre du Milieu. Genre le truc t'arrêtes le temps et tu fais des swing-swing en mode Animus... je sais pas quoi, bah ça c'est le truc astral... J'ai dit bon, si on fait ça on va atteindre un point de non-retour. Parce que c'est une compétence, quand tu mets une compétence en général t'essaies de la remettre dans les autres jeux tu vois. Donc j'attends de voir. Le truc au Japon, moi il faut qu'il vire le côté RPG et le combat L1 R1 à la The Witcher, faut que ça dégage, faut qu'on vienne à un classique. Une touche pour attaquer carré, une touche pour contrer rond, une touche pour assassiner et ça dégage. Genre ils ont trop voulu faire un jeu de combat avec Origin, Valhalla et l'autre là. Odyssey. Ouais on voit. Eh ben, impressionnante verdure. Les sites des réacteurs Mako sont sélectionnés pour leur taux élevé d'énergie. Par où on va entrer? Les fileurs. Ils ont l'air différents des autres. Tu trouves? Bien. Je n'attends que toi. Ok. Venez, on les suit. Sommes-nous encore loin? Dans combien de temps arrivons-nous? Environ une heure, madame. Qu'est-ce que je vais utiliser en premier? Croyez-vous que vous en aurez l'occasion? Ce que tu es naïf. Les occasions, ça se provoque. Attends, c'est elle l'arme rubis?
Oh là là, je le sens pas. Hein. Je sens pas cette histoire. Assaut Japon sera un RPG, c'est sûr ça? J'avais vu comme quoi ils voulaient virer ce côté RPG apparemment normalement. Ou alors j'ai confondu avec Mirage. Il y aura un shinobi et un samouraï. Et le mec ce sera un samouraï noir. Oh, ce sera Yasuke. Ça sort tous les samouraïs qui existent ont pris lui quoi. Putain, moi je voulais un Nobunaga ou un truc, tu vois. Yasuke, bah. Ok, bon bah. Là, je quitte le Japon, quoi. Hein. C'est pas un ninja, Nobunaga, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu jouer un mec à la, dans l'ère Edo, là, et... Putain, mais... Épée de cristal. Wow, une épée pour Claude. Comment ça que deux matérias? Ouh, ça va faire des dégâts. Oh, par contre, moins... Oh là là, par contre, je perds tellement de stats, regardez. Je perds... Oh là, avec tous les matérias, je perds trop. Je pense que on va utiliser cette épée en entraînement pour... C'est une épée de mage, quoi. Mais elle est moins puissante que la lame runique. En gros, c'est épée de mage, mais avec kiff kiff. Mais le problème, c'est que t'as que deux matérias, quoi. Ça, on l'équipera et on fera ça en entraînement. Mais hors de question que je la mette maintenant, c'est dead. Par contre, la compétence a l'air insane, hein. Genre le gros coup. Bon, bah, dommage hein, que ce soit Yasuke. Hein. Enfin, comme s'il y avait déjà eu Netflix qui avait exploité le filon en faisant un animé sur lui, quoi. Fallait que l'Ubisofterie fasse de même. À la limite, soit présent dans le jeu, c'est cool, tu vois, mais l'incarner, oh flemme. Genre sur tout ce qu'il y a à raconter. Faut oh, allez, vas-y, flemme. Y'a pas la transmog sur FF7. Non, c'est trop chiant. Sinon je jouerai avec le skin de l'épée de base. Bon bah c'est pas grave, hein, tant pis. De toute façon, moi, si je joue, si on peut choisir, je jouerai la ninja. Parce que moi, c'est hors de question que je joue un samouraï hein, dans un Assassin's Creed. Hein. C'est bon, la flemme. Hein. C'est un jeu d'infiltration, moi, je veux jouer en mode je me cache derrière un écran de fumée. Je sais pas, c'est au Japon, moi, je veux jouer un japonais, quoi. Mais bon, apparemment, c'est pas assez diversifié, je crois. Oh là là, L'Asie, c'est pas assez diversifié, l'Asie. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller voir ?
Mais imaginez, ça aurait été genre... on jouerait un shinobi à la solde de Nobunaga jusqu'à son assassinat. Et une fois qu'il est assassiné, on est un peu un ronin, tu vois, exilé et tout. À la fin de l'ère du shogunat, et on essaye de avec l'empire qui commence à se former et tout. Enfin, et là, on aurait peut-être pu prendre position en disant, putain, le shogunat, ça a créé que des mauvaises choses. Alors, on va participer à la création d'un Japon impérial. Plutôt que... ça aurait pu être insane. Mais vas-y, Flem. Bon, je fais quoi avec ma multiprise, là? Là? Ok. Les fillers, ils sont en mode suivez-nous. Si on les suit, ça veut dire qu'on est dans le bon. Bah, le Japon, je pense que c'était la période que tout le monde attendait. Moi, la Chine, ça m'aurait bien botté aussi, hein. Époque dynastie. À l'époque Dynasty Warriors et tout, tu vois ou pas? Il y aurait eu Lu Bu et tout sur son cheval de feu. Enfin, quand je dis cheval de feu, vous avez compris, son cheval écarlate là, rouge du sang de ses ennemis. Mais bref, c'est que la Chine, ce sera un jeu mobile sur Netflix, quoi. Voilà. Oh là, mais c'est quoi ces mobs de merde? Bicorne géant. Bon, arrêtons d'en parler, hein. La déception est déjà assez grande. Leur infliger des attaques de mêlée quand ils sont en garde les fera riposter. Ok, ils craignent le feu. Pardon. Je peux synthétiser un truc. À tes souhaits, merci. Désolé d'avoir éternué comme un groupeur. On est niveau 11. Ah, je peux crafter ça là. Des faveurs là. Putain, mais la sauge c'est... Faut tuer qui pour en avoir à la blinde? Amulette de l'au-delà. Wow, mais je veux cette... Je veux cette amulette. Bénédiction de la planète. Oh là, je pense que c'est encore plus loin que mystère de la planète. Ouais, c'est grade 9. Ok.
On a débloqué pas mal de petites synthèses là. On dirait qu'il y a de plus en plus de fileurs, non? Ah. Il me donne l'impression de vouloir me guider. Bah c'est l'impression que j'ai aussi. Mais on ne peut plus aller de l'autre côté là. À moins qu'on fasse monter le niveau de l'eau. Cherchons la salle de contrôle. Bien joué, Jeff, c'était drôle. Non, regardez, que vois-je? Que vois-je? Ok, quand l'eau va monter, faut aller là. Je sais pas ce qui s'y planque, mais c'est énorme. Échec du processus d'identification. L'alimentation en électricité est insuffisante. Oh, vous me faites chier avec votre électricité de merde. Ok, j'ai compris ce qui va gêner. Ça va gêner. Ah d'accord, non, c'est là qu'on a le coffre. Une arme pour qui? Un collier en or. Ouh! Rouge. Oh! Un choisi de collier conçu utilisant une grande entité. Voici la jauge. Voilà, j'ai dit la jauge de vengeance pour restaurer en montant pour tous les équipiers. Oh! Ça, c'est pas mal ça! Je vais mettre pétrification. Non, en fait, lui, faut lui mettre garde précise. J'ai pas garde tout court. Non. Réglage de combat. Je suis vraiment obligé de me retaper tout le chemin. Bon, c'est pas grave, ça valait le coup, l'arme elle est insane. Comme tu dis, heureusement qu'il y a de la Mako partout, hein.
Mais bon, comme quoi l'électricité ça reste plus fiable que la Mako, hein. Un produit toxique. Au fait, Barrett. Parce qu'on doit se battre ensemble. Ah bon? Mais contre qui vous comptez vous battre? Qui est votre ennemi? C'est féroce. Et il faut qu'on arrête les réacteurs aussi. Je peux comprendre pour les réacteurs, mais c'est féroce. Il est mort il y a 5 ans. Et pourtant, il est là. Tu verras quand tu... Je dois avouer que c'est assez difficile à croire. Annihilation ? Qu'est-ce que c'est que cette matéria ? Ok, dissipe barrière et dissipation. Et tu résistes à la mort subite. Ça, je mettrais bien ça à rouge. Il y a quoi de discount là? Reposons-nous et affrontons notre destin. La matière qu'il fallait sur le tomberie. Je te jure. Oh, ça aurait été moins drôle sinon. Eh bien, c'est encore pire que ce que je croyais. Regardez ça. Ce réacteur est mort, mais la Mako a continué de s'accumuler dans le réservoir. Je le savais. Elle a augmenté. Ça prouve bien qu'on a eu raison de faire péter les réacteurs. J'irai peut-être pas jusque-là. Finissons-en vite. Il y a trop de Mako à mon goût. Quoi ? Renika ici ? Merde ! La Shinra ! C'est toi qui les as appelés, c'est ça ? Quoi ? Mais pas du tout ! C'est pas moi ! C'est quoi ces choses? On dirait que l'odeur de la Mako a attiré quelques moucherons ici. Scarlett! Avant de faire la chasse au trésor, un peu de ménage s'impose. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ok, sauf qu'ils sont en train de brûler.
Ok, ok. Sale petite vermine. Qu'est-ce que c'est? Non. Oh la musique. Tant qu'il réabsorbe de la Mako pour lui faire des gros dégâts. Ok, let's go. De rester un peu à distance là parce qu'il m'emmerde un peu là. Attaqué. Ok, là c'est maintenant. Il suffit de trouver la faille. Pas facile là. Ah c'est bon, il est fragile. Barrette. Attaque des
Ouais. Ça devient irrespirable. Tu vas bien le coup. J'en ai vu d'autres. Hop, la musique qui évolue. Prends la musique. On paraît que t'es dead. Je compte sur toi, je vais essayer. Et ça dégage. On enchaîne le combat comme ça là. Bon débat. Ah non, on est mort. C'était quoi? Des reliques. Qu'est-ce qu'ils font là? Faut qu'on y aille. Préparez-vous vite. Retrouvez-moi à l'étable. Ok, let's go. Tout va bien. Écoutez-moi. Prenez ces chocobos. Et au cas où, ça aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Comme le réacteur est complètement en ruine, ça devrait vous servir. Et surtout, soyez prudente. J'ai comme un mauvais pressentiment. Il va arriver quelque chose. Ouais. Mon intuition me trompe rarement. T'inquiète pas, ça ira. Je te le promets.
Aerys qui se met les deux jambes sur le côté. Comment tu peux être à l'aise comme ça? Ok, let's go. Ah oui! On parle pas d'un petit saut, hein. C'est ultra pratique. Quoi? Ouais, c'est ça, quoi. De bêtes légendaires. Trop cool. En vrai, Tifa, elle fait énormément de dégâts en vrai. Genre, quand faut berserk un ennemi, tu mets Cloud, Tifa, Barrett. Paris 2024 sur le Chocobo, nouvelle discipline. Comment je kifferais?
l'avez vu. Vous l'avez vu. Croc de tigre. Oh là. Une paire de gants apparent, hein. Lance une boule d'énergie de ki droit devant soi. Faudrait que je débloque les autres trucs. Ok. Ok. Salut Listo, comment ça va? Ah, y'a un coffre. Ok, j'ai fait ça pour un coffre. Il y a quoi dedans? Et moi ça va, Pepper Lamster, hein. Hop, on va pour là. Et ensuite on va pour là. Et ensuite on va pour là. Ma jauge de Tifa, elle monte tellement vite. C'était pas si dur. Oh non, le câble est trop court. Je crois qu'il faut jouer Cloud en tant que tank, en vrai. Faut jouer Cloud en tank, Tifa Berserk et un mage. Tu fais ça plus les combos sont puissants et tout le monde dépop. Ça
On n'est jamais trop prudent. Ouais, mais je peux mettre que 3 persos, je peux pas en mettre 4. En fait c'est chiant, on devrait pouvoir jouer 4 persos, ça aurait été beaucoup mieux quoi. Jouer que 3 c'est ultra frustrant je trouve. Merde, j'ai invoqué Shiva, pas fait exprès. C'est parti! PM Restoray. Spider-Man. Batman. Plus Batman le grappin. En plus j'ai pas analysé, ça me rend fou. Craignez la poudre. Genre deux Yuffie là. C'est nimp dédoublement, ça me fume. Come on.
mais c'est tellement fort. Dédoublement, genre, et fait exactement tes attaques, quoi. On va se reposer. Salut Fall Maestro, comment vas-tu? Oh, il me tire dessus avec des. En balle, à balle réelle en plus! C'est le mec. Oh, j'ai perdu des PV! On m'a touché, oh! J'ai pas analyse, donc c'est chiant. Mais vu que c'est un robot, je suppose qu'elle crée la foudre. Voilà. Yeah!
faudra que je les renforce un peu. À chaque fois que je veux dasher, je me crois trop sur un Souls-like là. Doublement. Je sais jamais quoi faire comme comme truc. Enchaînement fulgurant. Enchaînement fulgurant. Scarlett, je te casse la gueule. Ah non. Allez Shiva, viens à moi. Oh.
Ah, dégâts réduits. Oh non. Plutôt chiant ça. Oh là, elle m'a fait peur. Claquement de doigts. Ah non, le bisou. Oh, il prend pas de dégâts magiques, hein. Ça lui a fait zéro dégâts, Shiva. Mais c'est pas vrai! Elle a littéralement un HP! Voilà, ça dégage! Ce n'est pas le moment de me
Parler ta colère sans retenir. Il se bat comme Sephiroth un peu. L'aspect de ceux qu'on aime ou qu'on craint, pour nous tromper. Cloud ! Je me laisserai pas avoir.
Tifa. Tifa. Maman. Tifa, par ici. Ah, je contrôle la caméra. Tifa, dépêche-toi. Tifa, viens jouer avec nous. Je comprends que... Ma maison. Je vais aller retrouver ma mère. D'accord. Alors je vais t'accompagner. Moi aussi. On va traverser le mont Nibel tous ensemble. Ok. Merci. Avec la petite queue de cheval, Cloud, il était classe, hein. Regardez, il y a Cloud qui veut nous suivre. Cloud. Tifa, on y va. Cloud, est-ce que je vais mourir? Dis, promets-moi un truc. Plus tard, quand tu seras devenu très célèbre, si jamais j'ai de gros problèmes, j'aimerais que tu viennes m'aider. Hein? C'est ce que font les héros. Ils arrivent quand tout semble perdu. J'aimerais vivre ça, ne serait-ce qu'une seule fois. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Le pont s'est cassé la gueule dans le prologue.
Dans le jeu original, c'est Cloud qui tombe dans la mer. Oh. Ok, ok. Tifa, c'est dangereux. Allez, viens, on rentre. Ça sert à rien, tu sais. Ta mère est pas là-bas. Cloud. Ah mais faut qu'il se relaisse une petite queue de cheval, le Cloud là, je trouve trop trop classe. Et c'est quoi cette histoire de filler là? Il y a des blancs, des noirs. Et ils ont l'air de se fight. Ils ont des fileurs blancs autour d'eux. N'aie pas peur. Sois forte. Survie. Tu peux le faire. Oui, tu dois avoir foi en toi. Relève-toi, Tifa. Fais-le pour nous, ainsi que pour tous les autres à qui tu dois la vie. Tifa ! Tifa, notre combat n'est pas encore terminé. Il n'y a pas Cloud. Pourquoi? Ah si, quand même. Cloud. Ah. Il ne peut pas entendre ta voix.
Tifa! Salut Père Ionix, waouh, quelle cinématique qui répond à aucune question et en fait, nous en fait en poser des centaines. Je vais chercher les autres. Cloud. Quand on était petit, on nous disait que les morts traversaient le mont Nibel. Tu te souviens? Ouais. Une ruse des parents pour dissuader les enfants d'aller dans la montagne. Mais toi, t'y croyais, n'est-ce pas? J'étais très sceptique, moi aussi. Mais bon, je me forçais à y croire. J'espérais tant pouvoir retrouver ma mère. Emilio et les autres disaient qu'ils m'aideraient. Alors on a bravé le danger. Et puis, ils sont rentrés au village en te laissant là-bas. Oui, apparemment. Tu t'en souviens pas, c'est ça? Merci Dodi pour le raid. Je suis tombée de la falaise. Je me suis cogné la tête. Comment ça va ? Il y avait une période de 6 mois dans ma mémoire qui était plus tout à fait claire. Les autres m'ont dit comment ça s'était passé et certains détails m'ont surprise. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Que c'était toi qui m'avais incité. Mais là, ça m'est revenu. Je sais maintenant que t'avais volé à mon secours. Merci, Cloud. T'es plus haut les yeux, Cloud. Ce jour-là, pour moi, t'étais un héros. Je mérite pas tant d'éloges. Ce jour-là, je suis tombé de la falaise avec toi. Mais là, je t'ai poussé dans le réservoir. Il y a des fois où je sais plus trop qui je suis. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses évidentes. Mais il y a des trucs que je suis pas censé savoir. C'est comme si j'avais plusieurs personnalités. Et je sais pas du tout laquelle est la vraie. C'est déstabilisant. Ouais. Les cellules des soldats dégénèrent. Je crois que c'est ce qui est en train de m'arriver. D'un coup. Brutalement. T'inquiète pas, ça va aller. Hein? Cette fois-ci, c'est moi qui vais te protéger. Tout gâché, putain! Vous vous inquiétiez? Désolée. Elle est pas mal, cette chambre. Tais-toi! La puce! Non! Team Tifa! La déception est si grande! À cause d'un chat et d'une gamine que je vais buter à coup d'épée.
Waouh, j'ai rien compris. Tu veux dire que, au cœur même de la rivière de la vie, la planète et les fileurs noirs sont en train de se battre. Ah, donc la planète, c'est des espèces de fileurs blancs. L'incarnation de Sephiroth, c'est ça? Oui. Quoi qu'il en soit, c'est l'impression que tout ça m'a donnée. Entre la planète et les fileurs noirs, qui a l'avantage? Ben, c'est la planète, je pense. Mais oui, bien sûr! Voilà, je l'ai toujours su! La planète lutte pour sa survie! À l'instant où nous parlons, elle se défend de toutes ses forces! Alors maintenant, tout le monde l'entend bien, son appel à l'aide, non? Bah. Cette enflure de Sephiroth, je sais pas quel est son problème à ce type, mais en tout cas, il est dangereux. À mon avis, elle ne pourra pas le vaincre sans nous. On doit pas hésiter. Yo, Triple S, ça va, et toi? Pour la planète et tout ce qui compte sur nous. Pas vrai? C'est sûr, oui. C'est une discussion très sérieuse que vous avez là. S'il s'agit du sort de la planète, il y a un endroit tout indiqué pour en parler. Cosmo Canyon, c'est ça? Le berceau de la planétologie. Mais oui, c'est tout prêt en plus. Alors, il y a des matériaux là-bas? Parce que si c'est le cas, j'en suis. Je dois y aller. Oh, merde. Toujours, le pouvoir et la sagesse de la planète s'y concentrent. Bien sûr qu'il y a des matériaux. Ok. Alors, j'y vais. Dis donc, tu as l'air content, Red. Je suis né là-bas. Oh. Bon. J'espère qu'on aura une grosse backstory sur lui. Backstory, pardon. Si vous voulez rejoindre Cosmo Canyon, d'abord, allez voir ici. Et attendez, j'ai pas visité toute la map encore. Il s'agit d'un aérodrome datant du temps de la République. Un pilote affranchi y prend des passagers. En passant par la porte sud du village, vous le trouverez facilement. Alright. Je vous présente Fango. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup attaché à vous. Si vous voulez, vous pouvez l'emmener. Merci pour tout ce que t'as fait. Vraiment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, nous serons ravis de vous aider. Youhou ! Donc faut remonter... Pour monter là normalement. Au fait, vous voulez pas jeter un coup d'œil au tableau d'affichage? Ah non, il y a un aérodrome là. Pour tout vous avouer, j'ai toujours rêvé de m'essayer au boulot de mercenaire. On n'a pas le temps de s'amuser. C'est... On va continuer jusqu'à voir ce que ça nous débloque. Parce que ça a l'air de nous débloquer une autre partie de la map de Gongaga. Non mais Périonix, ça c'est une dinguerie là. Pourtant la nuit dernière, tu m'as serré tout contre toi. On a vu les parents de Zack, il a dit Zack, je sais pas qui c'est. J'ai déjà dit, c'est parce que je rêvais de Marlène. Va pas raconter n'importe quoi. J'ai back zéro. Attendez, je vais mettre une petite tenue là. Poussez-vous! Je customise mon chocobra. Vu qu'on est dans la forêt, je vais y mettre un truc qui a un rapport avec la forêt. Je vais mettre cette tenue là. Voilà, tu vois, ça fait un peu... Il est un peu flippant, mais... Ils aiment qu'on ajoute des bolets gonga à leur nourriture. Non, mais... Oh, mais même le thème, il change et tout, ça me fume. Au fait, je me demandais, c'est quoi un pilote affranchi? Tu sais que la Shinra a la main mise sur le trafic aérien depuis la fin de la République. Y'a pour un... Ah, et puis là, on a tout le...
C'est dire que les oiseaux qu'elle a pas encore mis sous son joug. Et les pilotes affranchis, qui continuent de voler libre comme l'air. Le ciel appartient à personne. Alors ils peuvent aller se faire foutre à la Shinra. Je suis prêt à parier que notre pilote dirait la même chose. D'accord, je vois. Je sens qu'on va venir s'entendre. À mon tour. Maintenant. Hop, enchaînement rapide. Une grosse équipe de berserkers là. Allons voir le pilote, voir où est-ce qu'il veut nous emmener. S'il nous débloque une partie de la région qui est fermée, je serais trop frustré de ne pas pouvoir faire tout l'open world direct. À quoi qu'on a l'air d'y avoir accès. On a l'air d'y avoir accès. Parce que s'il m'emmène dans un traquenard en mode vous ne pourrez plus visiter une fois que... Ça c'est la classe. Hop. Petite save au cas où. Ouais, c'est une très très bonne idée. Ça fait 3 heures, j'ai pas sauvegardé. Alors, c'est ça l'aérodrome ? Eh ben, il y a plein de trous. Un vrai gruyère. Vous imaginez un avion décoller ou atterrir sur cette piste ? Ah non alors ! Me dites pas qu'on est venu jusqu'ici pour rien! Regardez, c'est quoi là-bas? Une cabine téléphonique du temps de la République. Ah, il y en avait une sur l'autre aérodrome. Utilisez un fumigène et on arrive tout de suite. Bronco Airlines. Un fumigène. Ça doit être ça. T'as trouvé quelque chose? Faut utiliser un fumigène. Un fumigène ? C'est quoi ? Ah ! Tu connais pas les fumigènes ? On se demande vraiment ce qu'ils apprennent aux jeunes filles à Midgar. Heureusement que je suis là, hein ? Laissez-moi faire ! Il en met du temps. Attendez, j'ai une idée. Je suis sûr qu'il s'appelle Sid, le pilote. Je prends pas beaucoup de risques. Vous êtes des nouveaux, vous ? Nous allons à Cosmo Canyon. Il cause, lui ? Comment c'est possible un truc pareil ?
Ouais. Bah, j'en ai vu d'autres à force de courir le ciel. Un, deux, trois. J'ai pas assez de place. Mais bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas monter. Va juste falloir payer une petite prime de risque. Il se trouve que j'ai un peu de temps, là. En attendant que vous me filiez le fric, je reste dans le coin. Ok, bon, on le paiera plus tard, parce que là, on va aller à Cosmo Canyon direct. Je te préviens, il y a des frais d'annulation. Temps perdu plus carburant gâché, vous me devriez environ 100 millions de guilds. Alors, réfléchissez bien. Parce que je pense que Cosmo Canyon, ça doit être... Là. En voir la map. Bon! On va visiter la ville, la jungle! Ouais, je sais.